Maman, on dort? Oui, bah c'est l'heure de la sieste là. Bon, Emma, tu vas faire pipi? Clara, t'as été? Oui, je vais faire pipi. T'as vu le doudou? Ouais, oups. Mais j'ai failli l'avoir sur la tête! Oh, t'es dingue! Mais j'ai pas fait exprès. Pas la peine de te vexer comme ça. Tu vas voir, je me vengerai. Oh, Jules, c'est rien ça, c'est rien. Oh! Quand même, tabou, Jules, c'était rien, elle l'a pas fait exprès. Allez, va faire pipi. Moi, je viens juste de y aller, maman. Oui. Aïe, aïe, j'ai mal au ventre. Bah, vas-y, va aux toilettes. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Allez, viens, on va en bas. Et pas de bêtises. Je vais me venger, elle va voir. Eh, mais tiens, il y a son doudou qui est là. Eh, je vais lui cacher dans le micro-ondes. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le doudou de Jules, de Emma et Jules? Mais il le met dans le micro-ondes? Allez, hop, je le cache là, ça lui apprendra. Voilà. Je l'allume? Oh non, allez, quand même. Bon, allez, je vais faire comme si de rien n'était et je vais me coucher. Il va voir. Oh, je suis fatiguée. Allez, moi je dors. Hi. On va l'entendre gueuler. Ça va être trop drôle. Bon, allez, Emma, tu vas dans ton lit? Maman, il est où le doudou? Je sais pas, Emma, qu'est-ce que t'en as fait? Je sais pas. Bah, je l'avais mis là. Bah oui, c'est bizarre. Maman, je peux pas dormir sans mon doudou. Oh non, où c'est qu'il est? Oh non. Oh non, Emma. Pleure pas, pleure pas. Allez, on va le retrouver, t'inquiète. Allez. Je dormirai pas tant que j'ai pas trouvé mon doudou. Oh, Emma, s'il te plaît, allez, Emma, puis j'arrête de pleurer. Allez, va dans ton lit. Je vais. Où tu l'as pas posé quelque part? Non! Il y a quelqu'un qui me l'a caché! Maman, je peux pas dormir sans mon doudou! Oh! Chut, j'arrive pas à dormir, oui, Emma. Pleure moins fort, s'il te plaît, ma chérie. Mais tu vas le retrouver, mais oui, mais je peux pas dormir! Oh non, bah il te le faut! Oh non, c'est pas vrai. Bon, est-ce que ça te dit d'autres doudous? Jules, t'aurais pas vu le doudou de ta sœur par hasard, toi? Non? Bon, je demande. Clara? Ah bah oui, c'est vrai, elle dort. Je lui demanderai tout à l'heure. Allez, tu vas quand même dormir? Non, je veux pas. Si, Emma, faut que tu fasses la sieste. Non! Oh, Emma. Oh. Au pire, il y a celui-là. Non, je veux pas. C'est ma souris que je veux pas, non. Oh non, c'est pas possible. Bon, allez, je vous laisse. Les enfants. Les enfants. Bah, Emma. Emma, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop fatiguée. Bah, t'as pas dormi? Non, j'étais tellement triste que non. J'ai fait que de penser à mon doudou que j'aime et maintenant je le retrouverai plus. Maman? Ah, Jules, t'es là? Ah, est-ce que d'ailleurs, tu te souviens pas déjà où est le doudou de ta sœur, Emma? Justement, maman, j'ai quelque chose à te dire. Clara, t'es réveillée? T'as bien dormi? Oui, mais c'est Jules qui a caché le doudou d'Emma dans le micro-ondes. Comment ça, c'est Jules? Oui, je l'ai vu, sauf que je me suis endormie et j'ai pas pu te le dire, mais sinon je te l'aurais dit. Oh mince! Oh bah Emma, elle a pas pu dormir. Oh mince, merci beaucoup. Et toi, Jules? Pourquoi t'as fait ça enfin? Voyons! Mais maman, je l'ai pas fait exprès. Si, tu l'as fait exprès. Ça, on le fait bien exprès, hein. Tu vas là. Oh non, maman. Et oui, effectivement, le doudou était là. Emma? Maman? T'as mon doudou. C'était Jules qui te l'avait caché. Hein? Quoi? Bah oui, c'était Jules. En plus, tout à l'heure, je crois qu'il m'avait lancé chat, je m'en rappelle plus.
Je vais lui lancer le truc là dans la tronche là qu'elle m'a fait tout à l'heure. Ça lui apprendra. Non, c'était toi qui lui avais jeté. Tu te souviens pas? Oui. Jules, tu vas t'excuser avec Emma. Ok? Pardon, Emma. De toute façon, t'es qu'un bébé, tu dors encore avec ton doudou. Et toi alors? C'est bon, hein? Enfin, voyons! T'es puni de télé pendant 2 jours. Allez, hop! Bisous, bisous les amis.